Yo, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Et oui, vous ne rêvez pas, c'est enfin la vidéo concernant mes cheveux bouclés. Vous avez été nombreux à me demander quels produits j'utilise, qu'est-ce que je fais à mes cheveux pour avoir les boucles, voilà, tout simplement. Donc je ferai déjà de base, je ferai donc cette vidéo là pour les cheveux bouclés, mais je ferai aussi la vidéo sur cheveux lisses, comment je fais pour avoir les cheveux bien lisses, à ce que ça ne gonfle pas avec l'humidité, quels sont les produits que j'utilise quand je les lisse, parce que forcément ce ne sont principalement pas les mêmes produits. Donc là on va commencer tout de suite avec les soins que je fais au préalable, donc avant tout shampoing. Si je souhaite faire des soins, je n'en fais pas systématiquement, hein, soyons clairs, des fois je n'ai absolument pas le temps. Donc là mes cheveux je les ai lavés hier soir, donc là on est, je viens de me foutre l'œil, mon doigt dans l'œil. On adore. Bref, je te disais, donc je les ai lavés hier, j'ai pas eu le temps de faire de soins, donc comme je vous ai dit, je le fais pas systématiquement, mais je fais des soins durant le lavage, mais ça on en parlera après. Mais si je fais des soins, donc déjà à la base, celui-ci, je pense que je ne vous le présente plus, le Coco Shine de chez Hello Body que j'utilise maintenant depuis... ça fait bien plus de 2 ans en fait que je l'utilise. Bon, je l'utilise pas systématiquement non plus, mais je l'aime beaucoup. Franchement, il est vraiment top. Il m'adoucit les cheveux. C'est vrai qu'à l'achat, il est peut-être un peu cher parce que sur le site, il est à 25 €, je crois, un truc dans le genre. Mais avec tous les codes promo que les stars de télé-réalité ou même les youtubeurs vous donnent, il y a moyen de l'avoir pour moins cher. Et encore mieux, vous pouvez le trouver sur Beauté Privée. D'ailleurs, mon lien de parrainage est en barre d'infos. Vous pouvez le trouver quand il y a des ventes. Moi, je sais que je l'achète à chaque fois là et il me coûte une histoire de 15-16 €. Donc, c'est pas négligeable. Et franchement, vous n'en avez pas besoin d'en mettre des tonnes. Moi, je ne mets jamais les soins aux racines. Sauf, je dis bien sauf, celui à l'huile de ricin. C'est le seul... c'est la seule huile que je mets au niveau des racines. Je n'en mets pas d'autres en fait, parce que ça ne sert à rien d'en mettre 36 000 en fait au niveau des racines. Le cheveu il va se demander un peu ce qui se passe en fait. Le bulbe du cheveu il va se... Waouh, qu'est-ce que tu me fais? Donc ça ne sert à rien. Vous pensez pas que parce que vous allez rajouter que vos cheveux ça va sortir, non, pas du tout en fait. En fait il vous faut principalement 3 types d'huile. Il vous faut un nourrissant, un hydratant et un adoucissant. Enfin, ce n'est pas de la lessive, on est bien d'accord, mais c'est ce qui est marqué sur la boîte. Il vous faut 3 types comme ça et 3 huiles. C'est largement assez en fait, il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes. Ça sert à rien, c'est un truc de deg des fois quand je vois « Oui, mettez ça. » Oh, à un moment donné, stop en fait, hein. Bref, revenons à nos moutons. Je vous en parlerai plus en détail concernant les huiles après. Donc celui-ci, vraiment coup de cœur. Si vous avez l'occasion de le tester, testez-le. Et ne le mettez pas par contre au niveau des racines si vous avez les cheveux à tendance gras, parce qu'il y a l'huile de coco et ça va graisser vos cheveux. Donc principalement les pointes et les longueurs. Il est préférable de le laisser poser toute la nuit si c'est possible. Mais même si vous laissez poser, je sais pas moi, 3-4 heures, c'est déjà pas mal. Mais plus vous le laissez poser et mieux c'est, forcément. Donc ça c'est un de mes coups de cœur. Ensuite j'ai testé un de chez Yves Rocher qui ma foi n'est pas mal non plus. Donc qui est celui-ci. Voilà. Donc lui par contre c'est un soin de nuit, donc il est bien marqué, hein. Donc c'est à l'huile de jojoba, il n'y a pas de silicone, il n'y a pas de colorant, il n'y a pas de parabène, donc c'est cool. Cheveux très secs et abîmés, donc de nouveau vous mettez sur vos pointes et sur vos longueurs, vous laissez poser toute la nuit et le même matin vous faites vos shampoings habituels quoi. Franchement il est vraiment très bien, je l'aime beaucoup et il sent vraiment très bon et il est accessible à tout le monde franchement. Ensuite, parlons huile. Voilà, donc vous savez que ça fait quelques années que je fais des bains d'huile. Donc qu'est-ce que c'est des bains d'huile? C'est prendre des huiles, principalement 3 comme je vous l'ai expliqué juste avant. Donc un qui va nourrir, un qui va hydrater, un qui va soit réparer, ça dépend la fonction. Mais il faut toujours qu'il y en ait souvent 3. En tout cas moi c'est comme ça que je fais depuis des années et franchement je vois une différence. Donc
Je suis désolée, ça a coupé, hein. Donc je parlais des huiles. Donc moi je vais vous montrer celles que j'utilise déjà depuis un masse de temps. J'ai pris principalement 3, mais je vous ferai un petit close-up pour vous montrer tous ceux que j'ai. Donc elles se présentent comme ça, par contre faites pas attention aux bouteilles, elles sont dégueulasses parce que c'est de l'huile et vous en foutez partout. Donc ici on en a 3. Il y en a une qui est hydratante, je ne sais pas si vous allez voir, il est marqué juste ici. Il veut bien faire le focus, voilà, super les cheveux dessus. Donc un hydratant qui lui est à l'huile d'argan, qui est la base. Ensuite on a l'huile d'avocat qui lui est nourrissant, il est marqué. Et puis on a l'huile d'amande qui est pour rendre les cheveux doux. Donc là c'est certains que j'en ai encore d'autres qui sont juste là, mais comme je vous ai dit je vous montrerai en close-up. Donc moi j'essaye toujours de faire un combo de ceux-là, donc hydratant, nourrissant et doux pour avoir un bon, un bon mélange en fait. Donc qu'est-ce que je fais? Soit je les mets dans un autre flacon et je mets en fonction de la dose, ou alors je les utilise ça dépend. Honnêtement il n'y a pas de technique bien super. Moi je mets sur mes mains un pop-up. Donc ce que je fais en tout cas pour ce qui est de l'hydratation et du nourrissant, je les mets principalement sur mes longueurs et mes pointes. Pour ce qui est de la douceur, je mets un petit peu au niveau de la racine, parce que moi il faut savoir que j'ai les cheveux extrêmement secs, vraiment secs. Donc je mets quand même un petit peu l'huile d'amande au niveau de mes racines et ça leur fait vraiment du bien. Mais attention, je tiens à bien préciser, si vous avez les cheveux gras, mais vraiment très gras, ne mettez pas de l'huile sur vos racines, ça ne sert strictement à rien. Vous allez avoir vos cheveux encore plus gras, vous allez avoir l'impression de ne pas les avoir lavés, donc principalement longueur pointe. Donc quand je dis longueur, bon moi j'ai les cheveux longs, ça dépend de votre longueur, mais quand je dis longueur, voilà, on va partir sur un truc comme ça, plus ou moins quoi, hein. Grosso modo, ça dépend encore une fois de votre longueur. Donc voilà le type d'huile que j'utilise, qui se trouve sur Beauté Privée, qui sont à 2€ une poussière. Donc c'est pas cher du tout. Et sur Beauté Privée, j'en ai trouvé des autres aussi de la marque Evoluderm. Vous savez que j'adore cette marque-là. Et quand je les ai vus, j'ai pris toute la collection. Voilà. Donc surtout, pourquoi? Parce qu'en fait, de cette gamme-ci, il y en avait certaines huiles qui n'existaient pas et qui avaient chez Evoluderm, notamment l'huile de macadamia, qui est donc celle-ci. Donc l'huile de macadamia, elle protège et elle répare, donc ça c'est parfait. Ici on a l'huile de jojoba qui protège aussi mais qui nourrit en plus, donc c'est parfait. Et on a l'argan qui hydrate et revitalise, je vais arriver, j'ai bugué. Voilà, donc j'en ai d'autres, là j'ai juste pris quelques heures. C'est vraiment les baies d'huile, je sais que c'est chiant, je mets des guillemets, hein. Tout le monde n'a pas le temps, tout le monde n'y pense pas forcément, mais en contrepartie, il ne faut pas râler, je vais dire, en se disant, ouais mes cheveux ils sont pas beaux, mes cheveux ils sont tout secs, oui mes cheveux chic, mes cheveux... Ouais, mais à un moment donné, si vous n'en faites pas, n'en prenez pas soin, si vous ne mettez pas des protections, si vous ne faisiez pas des soins, il y a un moment donné, le cheveu, il te dit, tiens, voilà, hein, soyons clairs. Donc, oui, c'est bien beau de vouloir les lisser, de passer la plaque, de les boucler et que sais-je d'autre, mais il faut impérativement les protéger, s'il vous plaît. Voilà, donc ça c'était pour ce qui était avant shampoing. Ensuite, niveau shampoing, je dois vous avouer que je n'ai pas une routine fixe en fait. Je suis une testeuse, donc je teste beaucoup de produits, même sur les cheveux. Et là, récemment, j'ai testé un shampoing que j'avais envie de voir un peu si ça valait la peine. Pour la simple et bonne raison que j'ai des pellicules, on adore, et c'est chiant. Voilà, soyons clairs, c'est vraiment chiant. J'en ai un peu moins, mais des fois ça revient, enfin c'est par période, c'est un peu... Voilà. Donc je voulais prendre un shampoing hors sujet de shampoing anti-pelliculaire, parce que j'en ai testé des masses. Et mon cheveu s'habitue très vite, enfin du moins mon cuir chevelu s'habitue très vite et ne fait plus son travail. Donc voilà. Donc je me suis dit, je vais aller sur un shampoing peut-être hydratant, qui va hydrater donc du coup mon cuir chevelu. Donc s'il est hydraté, il fera moins de pellicules. Ce qui est, enfin en tout cas pour mon cas, vrai, parce que j'ai vu une nette amélioration.
j'en ai encore un peu mais beaucoup moins, c'est le fameux shampoing de chez Nivea qui est donc celui-ci. Je ne connaissais pas, enfin oui je voyais la pub mais je ne connaissais pas, j'avais jamais testé et comme vous voyez je l'ai bien descendu. Donc ici on part sur un cheveu et le cuir chevelu sec. C'est bien précisé, donc je sais qu'il y a le format rose aussi, mais le format rose je ne sais pas du tout c'est quoi, donc je ne m'avance pas là-dessus. Donc c'est un shampoing doux, usage fréquent avec des extraits de lotus. Il n'y a pas de silicone dans celui-là, donc ça c'est vraiment top, j'aime beaucoup. Ce que j'aime bien c'est le flacon aussi, franchement il est vraiment bien. Et comment est-ce que je dois dire, franchement il nettoie vraiment très bien. Maintenant le seul bémol c'est qu'il y a du sulfate dedans. Comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, malheureusement, rares sont les shampoings, mais vraiment très rares, qui ont une coupon clean. Soit vous avez du silicone, mais vous n'avez pas de sulfate, ou soit vous avez du sulfate, mais vous n'avez pas de silicone, ou du parabène, ou voilà. C'est très rare en fait, ou alors il faut aller dans les shampoings bio ou quoi. Et pour vous dire la vérité, j'ai déjà testé des shampoings où il n'y avait rien de tout ça, et je n'aime pas du tout. Voilà, j'ai l'impression que mes cheveux sont poreux, ne sont pas lavés, je n'aime pas. Voilà, c'est non. Donc soit je vais dire je préfère prendre quelque chose qui a du sulfate et pas de silicone, ou l'inverser. Donc j'essaie quand même qu'il y ait moins de saloperie dedans, mais voilà, c'est comme ça, c'est pas fait autrement. Mais je dois dire franchement qu'il nettoie vraiment très bien mon cuir chevelu. En tout cas moi je vois une nette amélioration. Je ne l'utilise pas systématiquement parce que je ne veux justement pas que mon cuir chevelu s'habitue. Il faut savoir qu'au bout d'un moment, votre cheveu s'habitue en fait au shampoing. Donc il faut changer. Quand je dis changer, moi souvent, voilà, une fois que j'ai terminé la bouteille, ou si vraiment je l'ai adoré, oui, pourquoi pas, je le rachète. Mais au bout de deux mois, j'essaye de changer quand même. Et pareil pour les soins et les masques, je ne veux pas toujours avoir le même parce que je ne veux pas que mes cheveux s'habituent au produit et que je vois que mes cheveux ne sont plus aussi beaux qu'au début. Voilà, c'est ma façon de voir les choses. Ensuite, niveau petits soins, vite fait, on va dire, pas le temps de faire un masque, mais il faut quand même les hydrater. Donc petite astuce aussi pour que vous puissiez savoir, tout le monde ne le sait pas, c'est que moi déjà je fais deux shampoings, c'est impératif parce que déjà j'ai une longueur et j'ai beaucoup de cheveux. Voilà, c'est... Voilà, hein. Donc un pour laver le cuir chevelu et un pour laver les longueurs. Je suis obligée. Ensuite je reste comme il faut, mais vraiment bien bien le shampoing. Et ensuite j'enlève le surplus d'eau et j'essore un petit peu. Je sais qu'on n'est pas tous friands de ça, mais il faut essayer vraiment d'enlever le plus possible d'eau. Parce que quand vous allez mettre votre masque, si vous laissez toute l'eau, ça va tomber en fait. Le trois quarts va être dans la douche. Bon, c'est débile, voilà. Donc essayez vraiment de l'essorer un maximum. Alors moi celui que j'utilise pour l'instant c'est celui-ci, donc assez basique, vous pouvez retrouver partout, le Garnier de Ultra Doux. C'est un après shampoing doux, donc c'est au flocon d'avoine, crème de riz, et c'est pour les cheveux délicats. Donc il n'y a pas de parabène dedans, il démêle, hydrate et protège, et honnêtement j'aime beaucoup celui-ci, c'est un énorme coup de cœur. Donc quand je n'ai pas le temps de faire un masque et que je n'ai pas le temps de laisser poser, ce que je fais c'est que je mets ceci, donc j'en mets quand même assez bien, je dois vous l'avouer. J'en mets bien sur mes longueurs, je passe mes doigts pour essayer de démêler et je laisse poser sur le temps que je lave mon corps ou que je me démaquille sous la douche ou quoi, parce que oui ça m'arrive de me démaquiller sous la douche, voilà, comme ça vous savez tout. Et après je rince comme il faut. Alors quand vous allez rincer, petite astuce, essayez, je sais que c'est compliqué surtout en hiver, mais essayez de rincer vos longueurs et vos pointes à l'eau le plus froide possible. Pourquoi? Parce qu'en fait l'eau chaude ouvre vos écailles des cheveux, et si vous rincez à l'eau chaude, les écailles restent ouvertes. Donc tout ce que vous allez avoir mis, donc ça ou masque ou que sais-je, oui sur le moment ça va être beau, mais ça ne va pas assez bien faire son travail. Tant que si vous les rincez à l'eau froide, en fait les écailles vont se refermer. Donc du coup le produit restera dans vos cheveux et vous verrez une nette amélioration. Je sais qu'on n'est pas toutes systématiquement à penser à rincer à l'eau froide. Moi-même des fois j'oublie, je suis honnête, hein. Mais essayez, honnêtement essayez le plus froid possible. Je n'ai pas dit glacial non plus.
hein, on n'est pas en Antarctique. Mais au pire, vous penchez vos cheveux comme ça et vous laissez vraiment couler. Franchement, ça fait du bien. Et si vous êtes courageuse, moi je le fais de temps en temps, vous faites sur le cuir chevelu. Oui, oui, en fait, ça va accentuer le flux sanguin. Et si vous pouvez après malaxer un peu avec la tête un peu penchée, c'est bon aussi, faut pas croire, hein. C'est toutes des petites astuces comme ça, je sais, tout le monde n'y pense pas, mais voilà, si tout le monde ferait un petit peu ça, on sentirait mieux niveau cheveux. Donc, niveau masque, pareil, je n'ai pas de masque chouchou, honnêtement, je teste. Là, je suis sur un de chez Schwarzkopf, qui est donc celui-ci, qui franchement est très bien, j'aime beaucoup, cheveux abîmés. Qu'est-ce que j'ai à dire de plus, en fait celui-ci il faut un peu le masser, voilà, il faut bien lire les notices en fait derrière. Donc en fait quand vous en mettez, celui-ci moi je me permets d'en le mettre un petit peu au niveau de mes racines parce que de nouveau j'ai les cheveux secs, donc j'en mets et je malaxe un peu et je prends vraiment le temps que les cheveux, enfin que le soin pénètre sur mes cheveux pour vraiment bah, les nourrir à fond. Donc c'est soit un, soit l'autre. On ne fait pas les deux en même temps. Parce que j'ai entendu des gens qui me sortaient, on fait les deux en même temps. Pourquoi? Tu crois quoi? Que ça va les adoucir plus? Tu crois que... Non, en fait, non. Justement, si vous faites les deux en même temps, vous allez les alourdir. Ils vont être beaucoup plus gras. Vous allez devoir les laver beaucoup plus rapidement. Donc, c'est soit un après-shampoing, soit un masque. On ne fait pas les deux. Non, non, non. C'est des conneries, je ne sais pas, enfin bref. Donc voilà, donc moi celui-ci que j'utilise pour l'instant, il est vraiment très bien, j'aime beaucoup et en plus, oh, il s'en met tellement bon et honnêtement, vous n'avez pas besoin d'en mettre des tonnes, hein, parce que franchement, il me fait vraiment très bien son job. Donc voilà, une fois que j'ai rincé tout ça, ce que je fais, c'est que moi, je laisse mes cheveux naturels sécher quand je laisse boucler. Mais par contre, ce que je mets maintenant depuis un petit, bon, quelques temps, il y a peut-être 2-3 semaines, un peu plus même, qu'est-ce que je raconte, il y a plus d'un mois même, j'ai acheté cette crème chez Beauté Privée, donc de la marque Biface, qui est une crème actif boucle, anti-frisottis, à l'aloe vera et à la provitamine B5. Donc en fait, elle vous permet de nourrir vos boucles, de les définir et honnêtement, je vois une différence, c'est con à dire, mais oui. Donc ce que je fais, c'est que quand je sors de la douche, je prends un démêlant que je n'ai pas pris, super, on adore, j'essaierai de vous mettre une photo ici du démêlant, donc moi c'est un démêlant que j'utilise depuis masse d'années, qui est vraiment pour tout type de cheveux, il sent très bon, et il est top et il coûte pas cher, donc je spray tout ça partout, je démêle mes cheveux avec une brosse avec des picots doux en fait, pour ne pas agresser mes cheveux encore plus, hein, ce n'est pas le but, et si vous avez la patience, ce qui est encore mieux c'est un peigne. Moi j'ai la flemme, voilà, je dois vous l'avouer, j'ai la flemme. Mais ça m'arrive hein, de le faire quand même avec le peigne parce que j'en ai, mais voilà, j'y pense pas systématiquement, mais c'est vrai que c'est mieux les peignes, en tout cas pour les cheveux bouclés c'est beaucoup mieux. Et ensuite donc une fois que j'ai fait tout ça, mes cheveux sont toujours encore un peu humides quoi, donc j'enlève un peu le surplus et donc je mets ceci, donc je mets l'équivalent d'une noisette, je malaxe, je chauffe en fait la matière, je penche la tête en avant et je mets la crème partout sur mes longueurs et mes pointes. Et petite technique, quand vous avez les cheveux bouclés, quand vous avez la tête en avant, vous prenez vos cheveux et vous les remontez en fait, vous faites comme ça. Et le fait de faire ça, bah, en fait ça va permettre à vos cheveux de reprendre sa forme de boucle. Donc c'est toutes des petites astuces de coiffeur, hein, tout le monde ne le sait pas systématiquement. Mais si vous faites ça, vous allez voir une nette différence, moi en tout cas je le fais tout le temps. Ou alors oui, vous pouvez prendre le sèche-cheveux avec l'embout spécial et le sécher. Moi je ne le fais pas parce que j'ai pas besoin. Voilà, mes cheveux sèchent naturellement très bien. Donc hier soir, j'ai mis ça, je n'ai rien mis d'autre, je n'ai pas mis d'huile, je n'ai rien mis d'autre, ça ne sert à rien de rajouter. Stop, laissez tranquille, si vous avez déjà fait un bain d'huile avant, vous avez fait un masque ou un soin et que vous avez mis une crème comme ceci, pas spécialement celle-là, mais une autre même, stop, laissez même vos cheveux un peu respirer, ça ne sert à rien de rajouter des masses. Et aujourd'hui,
ce que j'ai fait quand je me suis levée. Moi il faut savoir que je ne me démêle pas les cheveux, hein, ça ne sert à rien parce que sinon mes boucles sont laides. Donc grâce à ça mes cheveux sont beaucoup plus doux le matin, je le sens quand je passe mes mains, c'est vraiment très très doux. Et donc ce que je fais c'est que le matin, une fois que je finis de me préparer, je rhumidifie un peu mes cheveux à l'aide de Vapo. En gros, hein, pas trop mais juste en gros, je repenche la tête en avant, je refais le même geste comme ça pour redéfinir un peu la boucle et j'utilise tout simplement le basique. Voilà. Une mousse, donc ici franchement je me suis pas cassé la tête, j'ai pas pris une mousse de marque, j'ai pris une mousse qui vient de chez Aldi pour vous dire, et honnêtement elle marche du tonnerre. Donc ici on est sur une force 4, un coiffage bien en place, une fixation parfaite, volume et brillance, et honnêtement oui. Je dis oui les gars, elle m'a coûté moins de 3 €. Ça fait 2 mois que je l'utilise. Il y en a encore la masse dedans. Il y a 250 ml pour que vous puissiez savoir. Le bouchon, ben, vous connaissez, les bouchons en mousse. Donc moi, je mets souvent 2 grosses pompes. Donc je mets la première, je penche la tête de nouveau, hop hop hop, je mets. Après, je remets mes cheveux en avant, je reprends encore une fois et je fais au niveau de les racines. Ensuite, ce que j'utilise aussi depuis un certain temps, que j'ai trouvé bêtement chez Wibra, je crois, c'est ceci, voilà, donc qui est de chez L'Oréal. C'est un studio line, donc c'est le Hot Gold. Donc c'est un spray en fait qui va permettre de faciliter le coiffage. Donc c'est comme un peu une laque, mais beaucoup moins forte qu'une laque. Et je mets ça juste après avoir mis la mousse. Donc j'en mets vraiment, je vaporise comme ça et je fais les gestes, voilà, comme ceci. Il faut toujours faire les gestes vers le haut, faire comme ça, vous voyez, comme ça, voilà. Et après, ben, vous avez des cheveux tout beaux, tout bouclés. Voilà, sinon bah, je ne fais rien d'autre après. Faut savoir que moi je me lave les cheveux une fois par semaine. Oui, j'ai la chance de pas besoin de me les laver tous les jours parce qu'encore une fois j'ai les cheveux extrêmement secs, donc voilà, je peux me permettre. Mais avoir les cheveux secs n'est pas plus bénéfique, hein, parce que j'ai des pellicules, voilà, j'ai des espèces de petites... Ben, c'est pas l'instant glamour, mais des petites croûtes, je vais dire, qui se forment parce que vu que je me gratte le cuir chevelu, ben, il est sec, donc je l'hérite. Et en plus, j'ai des ongles, donc voilà, c'est pas mieux en fait. Que ce soit très sec, gras, semi-gras ou je ne sais quoi, c'est pas mieux non plus. Hein. Maintenant, c'est vrai que j'ai un avantage, je n'ai pas besoin de me laver les cheveux tous les jours. Ça, je suis d'accord, effectivement. Et il faut savoir que ce n'est absolument pas bon de laver vos cheveux tous les jours. S'il vous plaît, arrêtez de les laver tous les jours. Et arrêtez de dire, oui, mais si je ne le fais pas, c'est gras. Oui, mais non, non, justement, en fait, c'est un cercle vicieux. Plus vous allez laver, plus le cheveu va être gras en fait. Donc il y a des shampoings secs qui existent, la marque Baptiste est vraiment la meilleure pour moi. Il y a pour le blond, les cheveux bruns, enfin voilà, il y a moyen. Du talc aussi, mais essayez impérativement de séparer vos shampoings s'il vous plaît, parce que vu que vous les lavez tous les jours vous leur mettez des produits, c'est pas bon en fait, pas bon du tout, le cheveu le ressent énormément. Donc s'il vous plaît, essayez d'espacer au moins 3-4, vraiment, c'est le maximum, je vais, c'est bien, je vais dire, mais pas tous les jours, s'il vous plaît, pas tous les jours. Maintenant, quand vous avez les cheveux tout courts ou quoi, un peu à la garçonne, ma foi, je ne dis rien, mais quand vous avez les cheveux longs ou même mi-longs ou quoi, et que j'entends qu'il y en a qui se lavent les cheveux tous les jours, hein, j'ai envie de m'arracher les cheveux. Donc non, s'il vous plaît, essayez, ou alors au pire, attachez-les, faites quelque chose, ou... mais essayez, honnêtement, essayez, vous allez voir une nette amélioration. Utilisez les shampoings adéquats aussi, parce qu'il y en a qui me disent, ouais, mais mes cheveux graissent malgré que je les lave. Oui, mais est-ce que tu utilises les shampoings adéquats pour ton type de cheveux aussi? C'est ça la question qu'il faut se poser, parce que si tu as les cheveux secs, bah tu dois aller vers la catégorie sec, ne va pas dans la catégorie cheveux gras ou mixte. Non, c'est cheveux secs, abîmés, déshydratés, tout ce que tu veux. T'as les cheveux gras, tu vas vers les shampoings pour cheveux gras. Maintenant, il y en a qui ont le cuir chevelu sec, non, le cuir chevelu gras et les racines, j'arrive pas à parler. Les racines grasses et les longueurs secs, il y a des shampoings pour ça. Il suffit juste de lire ce qui est marqué ici. Prenez le temps, même si ça prend 5 minutes, mais prenez le temps s'il vous plaît. Les cheveux, c'est sacré quand même, avoir des beaux cheveux. Enfin, je suis coiffeuse, donc forcément, les cheveux pour moi, c'est la base.
Donc voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura plu, ce genre d'explication. Donc voilà ma routine pour l'instant, en tout cas pour mes cheveux bouclés. Donc les shampoings, les soins et les masques, ça change. Donc je peux pas vous dire que ça, dans un mois, je serai toujours avec. Non, pas spécialement. D'ailleurs, vous le remarquez dans mes produits terminés, je vous présente des shampoings que j'ai finis. Donc shampoing, masque, soin, ça change régulièrement. Mais une chose qui ne change pas, ce sont mes huiles. Ça, je les aime d'amour. Le masque ici, très très bon, le Coco Shine, bah, je crois que c'est la base, et ceci franchement il sera toujours toujours dans mon armoire parce que j'adore, franchement une belle découverte et je suis ravie. Et il existe aussi pour les cheveux lisses, mais ça on en reparlera dans une prochaine vidéo concernant les cheveux lisses, pour voir quel type de produit j'utilise pour les protéger, pour ne pas qu'elles frisent vu que j'ai les cheveux bouclés. Comment est-ce que je fais quand je sors dehors et qu'il vient à pleuvoir ou quoi, pour ne pas que ça se retransforme en mouton. Quel lisseur j'utilise aussi, vous montrer les techniques, pourquoi pas. Sur ce, en tout cas, je vous fais des très gros bisous. N'hésitez pas à interagir dans les commentaires et me dire aussi ce que vous en pensez. Pas de haine, pas de méchanceté, s'il vous plaît. Chacun fait comme il veut. Je vous donne juste mon avis, mon expérience en tant que coiffeuse et en tant de ce que je fais au niveau de mes cheveux. Vous pouvez débattre, il n'y a aucun problème, mais avec politesse et gentillesse. Voilà. Donc sur ce, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao les filles!